nouvel épisode de Divertissement dans un fauteuil pour cause de confinement. Aujourd'hui, Raymond DeVos. Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd. Il n'entendait pas mieux. Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé. Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa grande clémence ? Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite. Être raisonnable en toutes circonstances voudrait être fou. Une rengaine, c'est un air qui commence par vous entrer par une oreille et qui finit par vous sortir par les yeux. La plupart des gens préfèrent glisser leur peau sous les draps plutôt que de la risquer sous les drapeaux. Lorsqu'un chêne sent le sapin, il sent que sa dernière heure est arrivée. La grippe, ça dure 8 jours si on la soigne et 1 semaine si on ne fait rien. L'autre jour, au café, je commande 1 demi. J'en bois la moitié. Il n'en restait plus. Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. L'intellectuel, dont la richesse est tout intérieure, n'a rien à craindre du percepteur qui voudrait le taxer sur ses signes extérieurs de richesse. C'est pour satisfaire les sens qu'on fait l'amour. Et c'est pour l'essence qu'on fait la guerre. Dernièrement, j'ai rencontré un monsieur qui se vantait d'être un imbécile. Il disait « Je suis un imbécile, je suis un imbécile !» Je lui dis « Ah, ah, monsieur, monsieur, c'est vite dit !» Tout le monde peut dire « Je suis un imbécile, il faut le prouver !» Il m'a dit « Je peux !» Et il m'a apporté les preuves de son imbécilité avec tellement d'intelligence et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile. Nouvel épisode, bientôt. Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle.